Hello les amis Sagittaire, Ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette vidéo tout à fait particulière de nouvelle année. Et oui, quand on parle de nouvelle année, on parle des bonnes résolutions, j'arrête de fumer, je vais faire un régime, je vais... Euh euh, arrêter de râler ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi. Là évidemment on parle des bonnes résolutions un peu plus intérieures, un peu plus profondes, plus en connexion avec notre âme, notre personnalité, nos besoins. Euh, Peut-être que c'est des besoins cachés d'ailleurs ou des envies cachées. Euh, toujours est-il, voilà, on va regarder euh, ces bonnes résolutions ensemble. Alors évidemment, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, comme d'habitude. Vous pouvez, comme d'habitude, regarder les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Peut-être plus parlant que celui-ci, euh, ou alors un complément d'information à celui-ci, avoir d'autres messages. Euh, voilà. Euh, que dire de plus euh, Ben, on commence tout de suite. On commence avec ce qui vous fait le plus envie en 2022. De quoi avez-vous envie pour cette année 2022 On va regarder. On a ici cette énergie et celle-là. Alors. On voit ici deux couples. Donc déjà, on constate tout de suite que ça peut être en lien avec l'autre, avec un autre ou des autres. Euh, ici, on a d'ailleurs le signe de la balance hein, et le signe de Vénus, donc l'amour des autres. Donc peut-être... Quelque chose, euh, vous avez envie de meilleurs liens, de meilleurs lien, meilleur contacts avec, euh, avec les autres et avec le Sagittaire et Jupiter, ici d'avoir un peu plus de connexion avec les autres, d'être en, en plus, qu'il y ait de plus d'harmonie avec les autres, qu'il y ait une progression dans vos rapports et vos contacts avec les autres, d'être un peu plus euh, soutenu, aimé, euh, compris par les autres, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être vous êtes vous senti particulièrement seul cette année ou ces dernières années, euh, en tout cas peu soutenue dans certaines occasions, peut-être célibataire pour certains, et le besoin vraiment de se retrouver à plusieurs, ensemble, soit de travailler avec des gens, soit de, de se retrouver avec de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres. Je pense que votre envie, c'est de faire de nouvelles rencontres d'être davantage soutenu et sans doute bien plus aimé au quotidien euh, pour ce que vous êtes avec cette notion ici euh, du taureau de Vénus on retrouve bien Vénus ici l'amour hein, l'amour l'amitié les rapports en tout cas euh, d'amour d'amour de soi et d'amour des autres et ici avec euh, le Gémeaux et euh, mercure on parle d'intelligence de communication donc, quelque part que votre communication avec les autres change s'améliore euh, qu'elle vous apporte plus d'opportunités peut-être euh, si c'est d'ordre par exemple professionnel voilà en tout cas c'est votre lien à l'autre qui vous intéresse probablement actuellement vous euh, cherchez des nouvelles euh, des nouveaux partenariats des nouveaux partenaires de vie euh, pour ceux qui n'en ont peut-être pas et pour ceux qui en ont peut-être de de créer une une meilleure harmonie un meilleur équilibre avec euh, avec la personne avec qui vous partagez votre vie en tout cas d'être heureux ensemble voilà c'est comme ça que je ressens ces deux énergies on va regarder maintenant les promesses que vous vous faites la promesse que vous faites de ne plus faire hein, ce que vous vous promettez de ne plus faire en 2022 j'arrête de fumer j'arrête de râler j'arrête de de euh, d'écouter euh, les gens qui, euh, qui essayent de m'influencer, etc. etc. Qu'est-ce que vous vous promettez d'arrêter de faire Alors, l'As de Pentacle, lui, nous parle, peut-être que vous avez laissé passer des occasions euh, de par le passé et vous, euh, maintenant, vous, vous regrettez un petit peu et c'est pour ça que vous vous promettez de ne plus rater euh, les diverses occasions, soit euh, euh, concrètes de la vie, soit euh, sentimentales, soit... Euh, les occasions financières, peut-être, de vous enrichir ou de créer quelque chose de nouveau, un nouveau job. Vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose et vous en avez aujourd'hui conscience. Et, euh, et quelque part, vous avez désormais peut-être besoin de construire davantage les bases de votre future vie, de pour soutenir vos rêves, parce que vous les avez laissés s'échapper une fois. Et peut-être que désormais, vous vous promettez de ne pas passer à côté de toutes ces occasions qui pourraient se mettre euh, euh, face à vous. Et peut-être que c'est en lien avec des relations, justement, hein. euh, ici, que vous avez raté des choses. Vous étiez peut-être trop euh, basé ou concentré sur vos sentiments, sur vos relations avec les autres. Euh, trop concentré sur le fait que euh, vous ne vouliez peut-être pas quitter vos amis dans des circonstances pour aller vous installer je ne sais où alors que c'était quand même votre rêve d'aller travailler euh, ailleurs par exemple mais vous n'avez euh, refusé cette offre peut-être pour des gens euh, qui vous ont peut-être après juste après trahi par exemple et donc vous avez le sentiment d'avoir loupé quelque chose avec cette tasse de 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 pentacle en tout cas dans cette position j'ai l'impression que vous avez besoin de revoir vos priorités dans la vie euh, de façon concrète et, euh, et surtout de ne, de ne pas perdre le coche tout simplement. Voilà. Alors maintenant on va regarder les promesses que vous vous faites, que vous voulez faire, ce que vous vous promettez de faire en 2022. Je vais y arriver. La roue de fortune, donc la roue. Avec la roue ici, on, on, vous vous promettez de changer d'accepter le changement, d'enclencher la roue de fortune et d'aller euh, euh, vous euh, vous connecter entre guillemets avec votre chance, avec euh, et de d'accepter tout ce qui est changement dans votre vie. Là où peut-être vous avez euh, mis un frein euh, avec l'as de pentacle, on voit quand même ces deux roues hein, finalement, même si ici on est bien d'accord, c'est une pièce de monnaie normalement. Mais je ressens dans ces énergies ici euh, ici on a euh, refuser une offre entre guillemets parce que on avait peur du changement peut-être on a raté une occasion alors qu'ici on va laisser enfin tourner la roue on va enfin accepter l'as de pentacle que le destin pourrait nous proposer peut-être bon, il y a quelque chose de cet ordre-là ici pour vous les amis sagittaire euh, la roue le fruit du hasard du destin du karma euh, que vous décidez d'enclencher en du moins vous vous promettez de l'enclencher, est-ce que vous allez le faire La suite nous le dira. Euh, mais euh, là, en tout cas, vous vous promettez d'accepter le changement et de, de, et de changer. Ici, nous avons justement ce que vous allez faire concrètement, en parallèle de vos promesses. Est-ce que vous allez en gros tenir vos promesses ou au, au contraire, est-ce que vous allez vous en, vous en désintéresser dans le concret Le gardien du sacré porte à croire que vous allez... Euh, les, les suivre ces promesses puisque le gardien du sacré nous parle d'élévation de progression euh, d'avancée hein, dans la vie euh, notamment spirituelle ici mais le, le, le pape, c'est un, un très bon soutien, c'est une protection euh, et qui, euh, qui, euh, et qui nous relie à la fois au monde des humains, mais aussi à, à, au monde de l'univers et des dieux, puisqu'on euh, voit bien cet escalier qui relie ce, ce, ce pape à la fois aux hommes et aux dieux. Ici, avec le gardien du sacré, vous allez aussi probablement euh, suivre les enseignements que vous avez. Euh, Appris ces derniers temps, le gardien du sacré, c'est un peu le maître, le guide, celui qui nous, qui, qui nous apprend les choses. Donc, on a, on accepte d'apprendre de nos erreurs, on accepte d'apprendre de la vie, on accepte d'apprendre de l'univers, et on, on se promet, là, concrètement, et on va le faire, de, euh, de progresser et d'apprendre. De suivre le guide. D'écouter les conseils. Voilà comment concrètement ça va se, se, se manifester ici. En tout cas, il y a une manifestation. On, on manifeste ses rêves à se réaliser ici. Donc on accepte le changement et en plus on fait tout pour qu'ils pour qu arrivent. Qu'est-ce que l'année 2022 a de mieux à vous proposer justement La reine d'épée et le 4 de coupe. La reine d'épée nous parle de discernement, d'intelligence hein, et de, de prendre des décisions avec énormément d'intelligence. C'est celle qui est, est très raisonnée dans le, dans le tarot. Et le cadre de coupe, lui, il nous reparle de cette frustration par rapport à des choses que vous avez manquées. Est-ce que, est que la reine d'épée ne pourrait pas vous inviter à prendre des décisions justement pour pallier cette frustration pour essayer de peut-être rattraper l'erreur que vous pensez avoir commise en, en 2021 ou en 2020. Euh, cette occasion manquée, est-ce qu'on ne peut pas la rattraper Est-ce qu'on ne peut pas euh, la corriger ici hein, pour justement ne plus être dans la frustration J'ai l'impression que l'année 2022 peut être un grand enseignement justement pour vous. Pour vous faire découvrir les raisons exactes de pourquoi vous avez raté quelque chose, mais aussi pour essayer euh, de ne absolument plus jamais reproduire ces, cette entre guillemets erreur. Tout dépend de quoi il s'agit, mais euh, voilà qui vous a créé euh, une certaine forme d'instabilité émotionnelle en tout cas. La Reine d'Épée, elle vous euh, elle vous aide à ne pas euh, être uniquement qu'avec votre cœur, mais aussi avec votre tête, avec votre tête beaucoup plus que votre cœur. Elle essaye de rééquilibrer quelque chose qui est déséquilibré et déstabilisé avec le cadre de coupe. Donc ce qu'on vous permet de faire, c'est de prendre des décisions beaucoup plus raisonnées, peut-être moins en lien avec l'affectif et les relations, mais plus en lien avec son intelligence, son savoir et son expertise. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler dans dans le concret. Donc n'hésitez pas à m'écrire vos témoignages dans un commentaire. Je serais heureux de vous lire et comme d'habitude de vous répondre. Et, euh, et euh, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous en suis très reconnaissant. Ça permet aussi aux vidéos d'atteindre des personnes qui en ont particulièrement besoin en ces temps difficiles. Merci à vous, merci de votre soutien et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao